Bonjour, bonsoir, Benny Belletti, et bienvenue sur cette indirect de Fabledom. Fabledom est un jeu qui est sorti... qui n'est pas sorti encore, pardon, encore une fois. C'est une démo, c'est un jeu qui sort après-demain, donc le 13 avril. Nous allons le découvrir tout de suite, j'en sais toujours pas plus, comme d'habitude. Si ce n'est que j'ai vu quelques images et que j'ai trouvé que c'était plus ou moins un jeu intéressant à vous proposer, puisque selon Twitch, c'est une simulation stratégie monde ouvert. Why not? Et que selon moi, j'en sais rien. Voilà. On va découvrir le jeu. Le jeu, malheureusement, n'est pas traduit, si ce n'est en chinois ou en anglais. On va dire que par défaut, j'ai pris anglais. Je ne parle pas encore le mandarin. Quoique c'est chinois traditionnel. Non, chinois simplifié. Donc je ne parle pas encore le mandarin. On y va. New game. Here we go. Ah, it's a story you want. Oui, je veux une histoire. Finding new map. D'accord, il vient de me créer une map, donc. Ok, choisissez votre royaume. Avant que cette histoire ne commence, vous avez besoin de choisir un royaume dans lequel vous voulez commencer. Cliquez n'importe quel royaume sur la map pour voir les propriétés de celui-ci. Il n'arrête pas de parler. Autant c'est sympa dans Stanley Parable, autant là, quand je choisis un truc et que j'ai besoin de me concentrer, c'est léger chiant. Pour générer une nouvelle map, cliquez sur le D en haut à gauche de votre écran et entrez une nouvelle seed. Ah oui, ça c'est la seed. D'accord, ok. Ok. Standard ou créatif? Créatif n'est pas dans la dans la démo. Construisez et gérez votre royaume. Explorez-le pour trouver de nouveaux secrets. Et faites régner l'amour sur la guerre. Donc Draenor, qu'est-ce que c'est? C'est large, il y a beaucoup d'océans, il y a une plaine normale, forêt normale. Moyen, plaine, peu, forêt dense. Le Héodran, c'est le Rohan. Moyen, beaucoup d'océans, beaucoup de plaines, forêt normale. Sophutria, petit, océan large, plaine, peu, forêt clairsemée. Petit, large, few, normal. Large, normal, dense. Ah, il y a Bremen là-haut. Large, beaucoup de plaines, forêt normale. Bon, on va prendre Trinae, on s'en fout. Ah, forêt dense, c'est pas un truc normal. Voilà, tiens. Grand royaume, grands océans, plaine normale, forêt normale. Je suis un prince ou une princesse? Une princesse, allez. Et je cherche une princesse ou un prince, ou qu'importe. Mon nom est... Slim Shady. Pardon. Allez, c'est parti. Oui. Il était une fois. Once upon a time, it goes... A story told of love and woes, when all the kings and queens of yore sent forth their children to explore. Oh, je suis un envoyé. New lands of plenty, du royaume fields de la reine. And trees, fertile, yielding, birds and bees. It's your turn, prince or princess, you discover, conquer. Daring do. Remember, friend, 'tis not just sword that makes one lady or a lord. To build a kingdom, 'tis an art. But don't neglect your spirit's heart. Through love or war, these lands ignited shall ever after be united. Now go. Be kind, be cruel, be scrappy, and make your ever after happy.
Ok. Donc je suis le prince ou la princesse d'un royaume et j'étais envoyé vers un autre royaume pour, j'en ai hérité quoi, en gros, pour le diriger et en gros il est en train de me dire que j'en fais ce que je veux. Voilà, tout ça pour ça. Je peux être un tyran, je peux être... je fais ce que je veux. D'accord, donc c'est bien un jeu, c'est bien un City Builder. Ok. Alors, ouh, alors bon, bah, hein, ça arrive souvent, ça. Bon, alors, full V-Sync, oui. Half V-Sync disable. Full V-Sync, on va se mettre en 1080, s'il vous plaît. Caméra speed, audio, quality. Bon, on va peut-être se mettre en medium, du coup. Ça change beaucoup ou pas? Ça a l'air un peu, mais ça a l'air quand même visible. Resume. C'est beaucoup mieux. Ah. Alors. Stop, je peux pas mettre pause? D'accord. Premier pas. Bouger la caméra, WASD, zoomer, dézoomer, rotater la caméra en appuyant sur le bouton du milieu. Ok, et j'ai gagné 10 balles. Where were we? Oh yes. Our kingdom began with little more than a humble laborer's hut. Now, where did that go again? D'accord. Notre royaume commence avec un petit peu plus qu'une simple cahute. Par où commençons? Alors, construire une route. 0 sur 5. Ah bah non. Bah une cahute, visiblement. Ah non, laborer's hut. Oui, d'accord, c'est un endroit où des gens travaillent. Les paysans travaillent. D'accord, je peux construire des routes. Ça me coûte 2 balles de construire une route. D'accord. Oh non, pauvre truito. D'accord, ok. Alors, il me faut 5 routes. Ah, d'accord, c'est clic-clic. C'est pas cliquer... C'est pas cliquer-glisser, c'est cliquer-cliquer. Ok, pas fait que ça. Formidable. Ensuite, construisez une cahute. D'accord. D'accord, donc là j'ai un atelier. Un atelier est obligatoire pour. Vous pouvez assigner. D'accord, ok. Assigner. D'accord, mettez une personne là-dedans. Pouf, voilà. J'ai mis un travailleur. Je peux gagner 10 balles. Paf, 10 balles. Fabriquer un homestead. Ça fait deux fois que je le vois ce mot-là. Je sais toujours pas ce que c'est. Une maison de 3 résidents. Emploie un paysan. D'accord. The first tier of housing perfect for the countryside. D'accord. D'accord. C'est une petite baraque. Une petite baraque de paysan. Par contre, ça demande à ce que quelqu'un la dirige ou la nettoie. Enfin, bref, ouais, bah, en prenne soin, quoi. D'accord. Oh. Certaines des habitations ont des fondations et des choses qui sont attachées. Après avoir placé le homestead, cliquez glisser pour placer les fondations. Attachement and place automatically by default. D'accord, ok. Donc je peux faire un. C'est quoi? Je vais faire un. Un jardin. Deux par deux. C'est un petit jardin. Oh, c'est tout mignon. Attachment inside a new garden. Ok. Construire. Oui. Oh. J'en ai construit un. Je peux pas en faire. Et il veut que j'en fasse deux. Non, un homestead. Bon, c'est tout choupi. Ouh, c'est long à faire, par contre. Ah, si. F1, F2, F3, F4. Ooh, the first homestead. Yippee. This is where your fablings live and eat.
A head of household is required for the homestead to operate smoothly. Now, make sure one has been assigned, won't you? Ce sera toi. Non. Manage household. D'accord, c'est Alice Lopez, visiblement. C'est elle, ouais. Petit machin. Construisez deux homestead attachments inside a new garden. D'accord. C'est quoi les homestead attachments? C'est quoi les attachements? Tier 1, tier 2, tier 3. Tout. C'est ça, mais... Actuellement 0, 0, 0. Bah j'aimerais bien en construire. D'accord, attends, on va... What? Je comprends pas. Oh. D'accord, ça construit. Select homestead to view its attachment. Click any attachment in place. Mais oui, mais il veut pas. Ah, il fallait que je construise le reste? Non. Homestead Foundation, ouais, d'accord. Ah d'accord, ah oui, non, en fait, il était en train de les construire, mais c'est pas moi qui disait quoi faire. Ok, très bien, construire un puits. On va faire un puits. Oui, non, mais d'accord. L'effet du puits, il est grand, formidable. On va faire un grand puits ici. Pouf. Certains bâtiments ont besoin de... D'accord, ok. Construisez un puits. Finissez de construire deux homesteads. Ah, il en faut un deuxième. Mettre juste en face. Pas de jaloux. Voilà, très bien. Welcome the new families. Merde. Edit mode. Ah oui, c'est vrai. Je peux randomiser les trucs. Mais je peux pas les fabriquer. Je peux pas les choisir moi-même. Parce que visiblement, ça a des effets différents à chaque fois. Par contre, ça coûte toujours le même prix. Tiens, formidable. T'es con, je puisse pas les... Je comprends pas pourquoi je peux pas les sélectionner moi-même. Ça donne plus 3 de comptant, plus 3, plus 3. Ajoute une pousse. Enfin, un petit potager par jour. Ok, sauf en hiver. Ça aussi. Ah, il doit en mettre un de chaque, j'imagine. Ouais, bon, voilà. Ensuite, accueillir des nouveaux fablings. Yeah, il a un chez lui. Comment que je fais? Attends que les premiers arrivants... D'accord. Here come our first newcomers. As long as you keep your population happy, more will want to join. As long as there is room, of course. Welcome, welcome. Donc tant que votre population est heureuse, il y aura de nouveaux arrivants. Faites attention à bien les contenter, tout ça. Deux visiteurs veulent venir chez nous. Deux gens veulent venir. Bah vas-y, viendez. 10 balles. Construire une ferme. Y placer 20 légumes, quoi. Planter 20 légumes. Et assigner un fermier. Alors, une ferme. Vas-y, je vais la mettre de l'autre côté. Crop pumpkin. Il en faut 20. Attends. Combien de temps? Ouais. Build, d'accord. Oui. Ensuite... Ça,
Ah, je dois planter les machins. D'accord, ok. Attends, je vais en mettre 20 comme ça? Non. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Well, it looks like some newcomers will arrive soon. But there's no available house. Attends, mais j'ai assez ou pas? Oui, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hover over the population icon at the top of your screen. Oui, move, oui. 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 Ta mère! Oh no, I really like that building. Mais j'en ai rien à foutre de toi! Oui. 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 Visiblement, il y a des bugs. Oui. Ok. Très bien. Ok. Alors, oui, oui. Donc, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. D'accord, je peux enlever ces... je peux enlever ceux-là. Oui. 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 Ça va là. 3, 4, 5. 5 fois 3, 15. 15 et 4, plus 1. Construire. Là, voilà. Voilà, 20 sur 20. Ok, j'en ai mis 20. Construire une ferme et y mettre un... y apposer la ferme. Plus qu'à attendre. Mettre une petite, un petit chemin. Le chemin. This can't be right. It seems you got a letter from a secret admirer. Odd. Well, I suppose there's no accounting for taste. They just jolly. You can open it by clicking the letter icon at the top center of your screen. Oui. J'ai reçu. Know if there's anything good. Visiblement une lettre d'un admirateur. Lettre reçue de la part de Giovanni. Ah oui, d'accord. Bonjour, belle princesse. Ah putain, c'est vrai, j'avais oublié. Vous êtes vraiment admirable. D'accord. Ah, il me propose un partenariat. D'accord, un partenariat et peut-être plus si affinité. Fablings, call my Fablings. D'accord, ok. D'accord, allez, des bisous. Ok, et assigner un fermier. Allez. Un fermier. C'est con que je choisisse pas. Allez hop, de l'argent. Construisez un camp. Eh ben voilà, c'est ça que j'attendais. C'est pour ça que j'ai mis un chemin là-bas. Construisez un camp de bûcherons. Lumber camp. C'est où? Ressources prod? Lumber camp. Formidable. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on construit un truc, automatiquement, ça défonce en fait ce qu'il y a autour. C'est bien ça au moins. On va me faire chier avec ça. Tac. Oh, il pleut! Poc, 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 poc. Et il a signé un bûcheron. Moi, je pense à mon bas, moi. Qui a dû quitter à peu près 2 minutes après le début du jeu, ici. Ouais, je jouerai pas. Je sais qu'en fait, il doit y avoir plein d'entre vous. Dès que je change de jeu, dès que je sens de jeu, vous arrivez sur le stream, vous faites « Ah ouais, c'est ça ? » Ouais, vas-y. Je me casse. N'hésitez pas à checker un petit peu plus en détail ces vidéos sur YouTube. Vous pourrez toutes les retrouver. Alors, un bûcheron, paf, un bûcheron. Ah, Seldel,
Salut petit renard, comment vas-tu? Qui nous raide? Salut à tous, bienvenue, on teste... Comment il s'appelle ce jeu déjà? Fabledom, il sort après-demain. Et il n'est pas traduit en français. À penser à baisser le son un jour. Ouais, mais quand je joue à des jeux de chill comme ça... Je peux pas m'empêcher d'augmenter le son et du coup de creuser la dynamique et de faire peur à tout le monde. C'est formidable. Ça va mon sel? Tu joues à quoi? Tu jouais à quoi ce soir? Chaque fois on s'entrecroise sans les tests de jeu, c'est marrant. Tu joues à quoi ce soir? Dis-moi tout. Bah. Et bienvenue à tous ceux qui rejoignent. À qui Seldel visiblement a fait une crasse et vous a lancé une crotte de nez parce qu'il a raidé chez moi. Visiblement il vous aime pas trop. Mais en tout cas, sachez que, voilà, si vous ne me connaissez pas, chez moi, pareil que chez Seldel, on présente des jeux indés, mais on le fait moins bien. Et avec un petit peu plus de... moins professionnel, moins bien, et un peu plus de mauvaise foi quand même aussi, ici aussi. je faisais des démos, mais ma connexion fait n'importe quoi, genre 7 VOD pour 2 heures de stream. Ah merde! Ah, d'accord, toi tu télécharges pas tes... Toi tu télécharges ta VOD et tu la montes derrière, c'est ça? Oh merde, c'est con ça. J'ai pas le... Pour regarder le stream, ça coupe. Oh merde. Ah mon pauvre. Eh ben écoutez, bienvenue à tous du coup. Déco. Non, je télécharge pas. Alors comment ça se fait que t'as 7 VOD pour 2 heures de stream? Juste pénible, je fais pas de VOD. Merde. Bon bref, j'en étais où, moi? Placer 3 décos. Tu l'as testé, ce jeu, ou pas, toi? Dismiss. Pourquoi dismiss? Ah, mais parce que j'ai pas de maison. Placer 3 décos. C'est où, la déco? Déco. Wouah! Ce carré de fleurs. Ce carré de fleurs. Ah oh, ouais! Have a look comme c'est beau. Je peux même en faire un double. Ah merde, non. J'en fais un double à la main. J'ai fait 3 décos. Mais dis-moi, t'as fait quoi ce soir? Je ne sais pas, je réalise le stream, je vais faire 3 heures. J'ai 7 de 10 à 30 minutes. C'est chiant juste pour la forme. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'ai pas testé, pas demandé la clé encore. Ah! Ah mais je l'ai pas demandé! Non mais c'est une démo! C'est la démo. Bah après la clé elle sort après. Enfin le jeu il sort après demain. Atteindre une population de milestone Hamlet. Ça veut dire quoi ça? Un hameau? Je dois atteindre la population dite de hameau. Et je dois faire quoi? Hameau c'est 10 personnes! Ah d'accord! Donc bah, on va construire des homesteads. Si on va en refaire encore un. Je peux pas déplacer une maison. Le Labor's Hut, là par exemple. Je peux la déplacer ou pas? Locate, can destroy. Shit. Merde. Fuck. C'est tout mignon ce jeu. Il est sympa. T'as testé Shogun Showdown. Ouais, je l'ai beaucoup, je l'ai pas mal apprécié aussi, perso. Tiens, on va faire un autre homestead ici. Et lui, ça va être derrière. Non, ce serait bien. Voilà. J'ai beaucoup aimé Shogun Showdown aussi. Hâte de le tester full. C'est vrai que j'avais testé, testé que la démo. Hâte de voir ce que ça va donner. Tatapouette. 8 sur 9. Putain, il me faut encore un machin. Et c'est chiant, ça prend une place monstre, ça. Hein. Je sais pas si je vais en l'heure. Ça marche en briste! Ça va, toi, Ombrist? Attends, maintenant qu'il a dit qu'il passait en lurk. Ça va, Ombrist? Qu'est-ce que tu racontes de beau?
Je vais Gunkar Arena, une sorte de roguelite. Vampire Lark. Excuse-moi. Avec une voiture. Mais tu D'accord, ok. Docteur Festus. Hein? J'ai testé. Docteur Fetus Min Meat Machine. Oui, c'est ça, c'est une fusion de Dr. Robotnik Beans Machine et de Dr. Fetus. Par la Team Meat, j'ai pas aimé. Mais j'ai l'impression que la Team Meat, depuis Meat Boy, a rien fait de bien. De toute façon, il y a l'autre qui est parti. Macmillan, qui s'est barré. Ils ont dit, il a dit ça me saoule, il s'est barré. C'est fou, ça. Hein. Et j'ai coupé sur Perfect Day, qui est un jeu narratif. Oh, ça me dit quelque chose. Terme de boucle temporelle qui est sorti en février. Oui, ça me dit quelque chose. Je crois que je ne l'ai pas testé, il ne m'intéressait pas. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, j'ai construit un truc en trop. Bon, Hamlet, ça va arriver. Collecter 200 balles en taxes. Ah, bah il n'y a plus qu'à attendre alors. Smell Chicken Cop a fini sa construction. Small Chicken, la petite coopérative du poulet qui pue. Small Greenhouse, d'accord, ok, super. Ah oui, j'ai définitivement, j'en ai mis un peu trop. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Parce que là, j'ai une... Ouais. Lumber Camp, Stockpile. Stockpile! Tiens, je vais faire une petite... Voilà, petit truc pour le bois juste après, juste à côté. Oui, bah build. Ah, il faut... Oh putain. Voilà, il faut un espace derrière pour stocker. Ok, ça marche. D'accord, donc il y a la Team Meat qui a sorti un Puyo Puyo like. Mais moi j'adore les... J'adore Puyo Puyo, donc... Je devrais le tester selon toi ou pas? Ah ouais, non mais Team Meat m'a toujours déçu. Est-ce que je devrais le tester du coup? Ah fuck. Militaire, fortification, décoration. Attends, me dis pas que tout ça en fait c'est bloqué pour le... Démo. Démo. Ah oui d'accord, en fait on peut rien faire dans la démo en fait. Ah si, on va pouvoir faire un hôtel. C'est super sympa, mais ils ont ajouté des pièges à éviter, genre des scies immobiles qui bougent. Il faut pas toucher avec ta pièce en train d'être jouée, sinon tu perds. Ah ouais, non, c'est pas ouf. Le principe de Puyo Puyo, c'est quand même c'est de faire des enchaînements, quand même. S'il faut éviter des trucs... Bon, en fait, ils ont adapté les bonus, entre guillemets, de Tetris et de Puyo Puyo versus Tetris à seulement Puyo Puyo. Mais ils ont pas compris que déjà, à Puyo Puyo versus Tetris, ce genre de truc, ça saoulait. Et que, justement, les gens grinçaient les dents à cause de ça. Enfin, ça et l'équilibrage entre Puyo Puyo et Tetris. Diego, tu peux quasi rien préparer en combo au-delà de 3 ou 4. Merde. C'est de la merde. Pardon. Vas-y, tu m'as... Ah Alt Tab. Oh, excuse-moi, YouTube, mais pendant que je récolte les taxes, je suis curieux de voir ça. Comment tu dis que ça s'appelle? Docteur Fetus Min Meat Machine. Ah ouais. En effet. Il y a une démo prévue pour 2023. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais chiant. Ah ouais, ça a pas l'air ouf. Ah, il y a un mode histoire quand même, ça peut être marrant. Ah, mais il y a 50 000 niveaux. Ouais, mi-moyen. J'ai bien envie de le tester. Mi-moyen, mais j'ai bien envie... Mi-moyen, mais je le testerai bien. Et je pense que comme ce jeu ne va pas nous... Oh ! Nous durer très longtemps,
On a déjà des trucs qui sont pas mal. Je pense qu'il est possible. Est-ce possible les quais? On le teste relativement vite. Genre là tout de suite. Faire assez de destruction pour remplir une jauge et gagner quand elle est pleine. Ah. Ok. Vous avez vu YouTube? T'as cru quand même découvrir un jeu de. T'as cru découvrir un petit jeu de city building et ça se termine en fuck it, on va tester un autre jeu. J'espère que t'es content. Alors, un camp de pierre. Ah bah tiens. Oui, non mais. Prends-moi pour un jambon. Voilà. Ok. Pas la poète. Ça dit, la musique est pas si mal que ça. Ah d'accord. Donc ça, c'est un effet négatif. Parce que genre, ça doit puer du cul. C'est pas grave, on le met loin de tout. Voilà. Le charbon peut être utilisé pour réchauffer les maisons, effet office de combustible, tout ça. Alors, le stone camp, il est en construction. Select a lumber camp to build a forester. Hein? C'est déjà fait. Ah! Forester. Ah, d'accord, ça permet de planter des arbres, forester. Vas-y, paf. Ah, j'ai reçu 47 balles de taxes. Build a stone camp, ça c'est fait. Forester, c'est fait. 200 balles, c'est en cours. On va accélérer un petit peu le temps. Car le temps... Hop. Ah oui, c'est un petit peu loin quand même. Désolé, hein. Fais des petits allers-retours. Oh, ça discute. Ça discute. Ça chuchote. Ça parle dans la joue de l'autre. J'ai même pas regardé à quoi il ressemblait, mais... Mes pégu. Mais ils ont l'air fort sympathiques. Pourquoi c'est pas fermé, là? Les chicken, ils vont se barrer. Do not pick it, hein? Ouais, d'accord. Petite référence. Ne les attrape pas. Ou alors serait-ce... Ou alors c'est le cas dans un autre jeu. Attends, est-ce qu'il peut aller plus loin que les traits? C'est vrai que j'ai même pas regardé jusqu'où on peut aller. Ah, c'est grand en fait. Il y a d'autres traits là, regardez. Je peux aller encore plus loin? Non. Ah. Poutioupou. Ah yes. Ah merde, c'est fini. Go. Comment je peux voir? Unemployed 4, d'accord. Il y a 4 qui sont sans emploi. Edge worker. Call maker. Nice. 61 comptants. Ça peut aller de 0 à 100. Donc là, je suis au-dessus de la moyenne, c'est bien. Et pourquoi le forester, il est pas fait, là? D'accord, parce qu'il n'est pas encore construit. D'accord. Chiant. J'ai l'impression que le lumber camp, il ressemble à rien. Oh là là, mais il se passe quoi dans ce jeu? Ah, ça y est! 200 balles, c'est fait. Le forester, c'est fait. Ok. Using the overview menu. Pouf. Using the overview menu. Select home, follow. Oh! Oh, ça c'est marrant ça!
Ça sert complètement à rien, mais c'est marrant. Et où tu vas? Ah, elle va récolter le bois. Pourquoi tu passes derrière? Par contre, ça fout la gerbe. Hein. Attends, c'est quoi le... Open the overview menu using the button at the bottom of the screen. Try the different directions. D'accord. Ah, ça! Ah! Ok, je peux voir les besoins de chacun. Je sais que c'est les actions. D'accord, bah très bien. D'accord, bah ils ont pas faim et ils sont contents. Bah, c'est parfait. Oups. Tiens, Alice. Select. Formidable, j'ai sélectionné depuis le menu. Assign a family to a workplace using the overview menu. Mais j'ai pas besoin. Tiens, bah toi, Agnès. Tac, tu vas. Select home. Non. Comment je peux sélectionner? Ah, là! Workplace. Ah, j'avais pas vu. Ce serait bien que dans la ferme, il y en ait un peu plus qui bossent, parce que j'ai besoin de bouffe. Tiens, Agnès, tu vas l'utiliser avec lui. Tiens, trois personnes. Ok, très bien. Pardon. Donc, paf, 10 balles. Produire 15 de charbon dans charbonnerie. Attends, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi, c'est de la pierre? Ah, c'est en cours. Peut-être mettre une autre personne avec, du coup. 15 charbon et stocker 50 légumes dans un grenier. J'ai un grenier, moi. Oh! Ah, je peux étendre mon territoire moyennant finance. Ah! Ça peut être intéressant de monter un peu. Remarque. Ah, bah c'est pour ça qu'il va pas pouvoir prendre les arbres qu'il y a derrière. Ah, et on voit justement ce qu'il y a. Par exemple, ici, il y a trois poissons. Il y a un troupeau de moutons. Et 83 arbres. Ici, 84. Ici, 123 arbres. Tiens, oui, viendez. Paf. Oui. Formidable. Ah, mine de rien, il y a quand même un petit peu de boulot. Hein. Il y a plein de petits défauts, en fait. Il y a plein de petits défauts. Là, par exemple, je ne peux pas bouger plus vite que ça, ma caméra. C'est vachement long. Je peux pas faire un cliquer-glisser avec la souris, ni rien. Du coup, c'est vachement long. C'est méga chiant. Fabriquer un hôtel. Hôtel. Ah, un hôtel, ça a un effet positif sur le reste de la des habitants. Des habitations. Paf. Voilà, très bien. Ils vont être faits. Ah, il manque deux pierres. Pourquoi il est repassé en mode normal là? Fort bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah le grenier justement. Mettre à côté du coup. Peut-être pas le meilleur emplacement du monde. On s'en fout, on découvre le jeu. C'est vrai que j'ai même pas. Putain, le puits qui a des. Qui a des semaines de marche là. Oui, Nick. Ok. Bon, il se passe. C'est sympa, mais c'est. On a vu mieux quand même. En fait, c'est très basique. Pas grand chose de fou. Ah, mais attends, mais c'est parce qu'ils sont obligés de l'amener tout là-haut. Genre vraiment. Storage 4. Ben oui, il l'amène tout là-haut, en fait. Alors, est-ce que je peux manager Select Hub? Oui.
Je peux lui dire quoi prendre et quoi ne pas prendre. Je vais dire, prends pas la pierre. Ah, the trusty village inn. Mais ta gueule, fais peur. I've got some stories for you. Je vais mettre un autre stockpile ici. The inn adds happiness to its surroundings. The happier your kingdom is, the more newcomers it will attract. Ok. Et lui, par contre, il va prendre pas le bois, mais les pierres. Et le charbon. Tiens, bah à la limite, tu vas prendre juste ça, en fait. Il y a pas mal de ressources, quand même. Tac. Et donc, toi, tu vas pas prendre le charbon. Tu vas prendre juste le bois. Voilà. Le grenier est fini de construire. Donc le grenier, pareil, il va falloir sélectionner toute la bouffe. Oui, donc ça va, c'est quand même... oui, ils ont pensé à tout. C'est juste pas fifou, quoi. Ça manque un petit peu de nervosité. Il y a quelque chose à revoir un petit peu sur la jouabilité et l'accès au... au raccourci. Il y a cette putain de voix off qui casse les pieds et qui sert pas à grand chose au final. Mais j'aime bien quand même le concept de tu fais ta ville, t'agrandis ton terrain, en fait ton royaume entier. Et tu sélectionnes les parties de royaume que tu veux améliorer et tout. Ah, il y a des ruines aussi. Is that my old house? I left my retainer in there. D'accord, et on peut rencontrer des trucs dans les biomes. Enfin, dans les parties qu'on a achetées. D'accord, je peux pas, ça sert à rien. Dans la démo, on peut rien en faire. D'accord. Quelques petits soucis aussi d'optimisation en termes graphiques qui bourrent pas mal la ressource. Là, je me suis mis en 1080 moyen. Je suis limite. Je suis limite. Donc, des fois, ça passe à 59 FPS. Quoi. Donc, quelques petites optimisations à faire. Est-ce que... Ah oui, j'ai même pas mis de... Innkeeper. Paf. Voilà, 10 balles. Après, le fait de faire un petit... Le fait de faire un petit tuto de cette manière-là, avec des objectifs à remplir qui nous donnent de l'argent, ça permet à la fois d'avoir un tuto et d'avoir le petit côté « j'ai des rewards, ça fait du bien à mon moi intérieur ». Mais qu'est-ce qu'il fait, en fait, l'hôtel ? Je sais même pas ce qu'il fait, l'hôtel. Qu'est-ce qu'il fout, l'hôtel ? Attends. Ah, attends, il faut que je le fasse à la main. Ah, mais j'ai mis personne dans le grenier, c'est pour ça. Du coup, il allait pas chercher la bouffe. Parce que là, en fait, il me disait que j'ai stocké 0 sur 50. Voilà, 20 sur 50. Voilà, j'avais mis personne dedans, donc personne n'allait le faire de lui-même. Ok. Donc, produire 50 de charbon, ça va se faire petit à petit. Sauf si, évidemment, je mets personne dedans. Transforme... Ah, ça transforme le bois en charbon. Ah. D'accord. Je vais devoir aller tout là-bas. Bon, en vrai, j'aurais mis un autre lumberjack ici, par exemple. Ok. Et atteindre le rang de village. Et village, c'est combien? 18. Il manque juste 3 personnes. Bon, on peut faire une dernière maison ici. Et je pense que ça peut clore un petit peu cette découverte. Hein. On n'a pas grand-chose à faire de plus. Tiens, hop, 3 maisons. 3 emplacements, ça va être beau. On n'a pas grand chose à faire de plus. Attends, avant de faire dismiss, fabrique-moi ça. Fabriquez-moi ça. Coal miner. Fais rien.
C'est pas beaucoup en son. Hein. J'aurais dû l'augmenter un peu. Oh, il neige! C'est pas très fort le son. Hein. Non. Très bien le narrateur à 50. Ah voilà, c'est un peu plus agréable. Désolé, vous avez eu 45 minutes de blanc. Toujours des Smiths. Toujours personne. Bah si, je peux pas accueillir. Ah merde, il veut pas. Ah bah non, il me l'a quand même compté. Bon d'accord. Le call, ça avance. C'est un peu loin. Ah, j'ai que 5 de bois. Ah merde! Ah, ils font la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Missing call. Ah putain, ils ont froid. Ah merde. Et c'est ainsi que mon village... disparu. Peut-être un lumber camp ici, hein. Vas-y, hein. Avec un forester. Juste ici. Build. Très bien. Du coup, ça, il va accueillir du bois en plus. Quoi, pote-poète? Père Noël secret. Princesse Slim Shady, j'avais oublié. Secret Santa de Childish Game. D'accord, ok. Putain, il donne 30 charbons. Merci. Merci, Père Noël. Poète, poète, poète. Quelqu'un. Vite. Ah, j'ai plus personne de dispo. Unemployed 0. Ah merde. Unemployed 0. Mais attends. 3 sur 3. Stone Camp 2 sur 2. On va peut-être en mettre qu'un seul. Hein. Pas besoin d'en avoir deux là-dedans. D'ailleurs. Putain, j'ai réussi à le faire taire. D'accord, ma pierre. Bois, bah voilà, c'est très bien. Charbon de bois, c'est en cours. Ah oui, c'est en cours. Bien. Bien, bien, bien. J'arrive à stocker le charbon alors que tout le monde en veut. Putain. Nice. Comment ça se fait? La déco, je m'en fous de la déco. Food production, essential. Ok, merci. Plein de choses qui sont pas disponibles quand même. Je suis un noble maintenant. J'ai une condition de noble. Sawmill. Ah, il y a une scierie, street. Ah d'accord, il y a un théâtre de rue. La guilde des messagers. D'accord. Ok, et plein de choses. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, on va pas aller plus loin. Hein. On connaît le principe. On sait à quoi ça ressemble. Ok, bah écoutez. Bah c'est... Bah c'est très classique, en fait. Hein. Dans sa construction, sa tournure, dans les choses qu'il propose. Rien de bien folichon. Quelques petits détails à corriger, mais ça, c'est parce que... Moi, je suis pas très fan de ce genre de DA. Très, très, très fourni. En tout cas, à la lecture, pour justement du city building. En fait, très fourni dans le sens où il y a beaucoup de relief. Ce qui fait que des fois, c'est pas très clair. On sait pas exactement quoi faire. Je peux faire plus, 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 plus. Et puis, alors, je sais pas, vous allez peut-être me trouver un petit peu relou, mais je trouve que ce genre de DA là, c'est bizarre hein, ce que je vais dire, mais avec ce niveau de détail-là, ça fait amateur.
il y a cette espèce d'amateurisme qui ressort de ce genre de graphisme qui fait un petit peu... je sais pas si ça vous le fait à vous, mais qui fait un petit peu... asset de base dans Unity, quoi. Et qu'on a l'impression de revoir un petit peu ce genre de truc-là, autant dans les jeux d'horreur bas de gamme que dans des city builders comme ça ici, que dans des jeux de craft, que... Enfin, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve très très souvent, et... Ça fait bof, quoi. Bon, après, c'est vrai que si on zoome, ça fait... voilà, on a un certain niveau de détail, mais... qui a été apporté. Mais je sais pas, c'est ce type de graphisme. Plus que ce que je vois. Bon, je sais pas. Du coup, au final, je suis assez mitigé. À voir, hein, ça se trouve, le jeu, il va... Parce que là, visiblement, la démo n'a pas été mise à jour depuis un certain moment. Un certain temps, il y avait marqué 10 février, je crois, ou je sais pas quoi. Oh, ça arrête même la neige. Ah ouais, donc la neige, c'est pas juste un filtre, alors. Elle était complètement modélisée. Ouais, donc voilà, à voir, du coup, parce que la démo n'a pas été mise à jour depuis le 10 février, visiblement, alors que le jeu sort après-demain, donc le 13 avril, donc il y a eu quand même 2 mois, en fait, qui s'est passé entre les deux. Ils sont peut-être tout simplement complètement focus sur la nouvelle version du jeu, et puis ils ont dit, ouais, de toute façon, ça reste une démo, c'est pour leur donner un avant-goût de ce que ça pourrait être, mais il y a peut-être quand même, le gouffre est peut-être trop grand entre les deux, et ils auraient peut-être dû ajouter, en fait, les mises à jour de ce qu'ils vont faire dans le jeu lui-même, plutôt que juste, en fait, la limitation de bâtiments, et apporter réellement les mises à jour pour tout le reste. Beggars. Time a bit hard. Ok. Ouais, je vais vous aider. Tiens, 32 bouffe. J'ai ce qu'il faut. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Tiens, prends. Mange. Donc voilà, bah écoutez, moi c'est un petit peu mon impression que j'ai sur ce jeu. Donc voilà, malheureusement, je pense que mon impression définitive restera, c'est malheureusement un jeu de city building parmi tant d'autres. Voilà. Il n'y a rien qui en ressort, il n'y a rien qui me fait dire que ce jeu est assez bien pour que je le continue. Moi, je suis mitigé là-dessus. Donc, j'irai pas plus loin de toute manière. Hein, de toute façon, c'était pour ça, hein, c'était pour une présentation. Oui, regardez cet écran-là. Je veux dire... Ça fait... Je sais pas. Hein, ça a l'air travaillé, mais ça fait très amateur. Quoi. Oh, ta gueule, je te jure, ferme-la. Et cette voix, je vous jure, elle m'insupporte. Ok. Bon, bah, je vais m'arrêter ici. Donc, Fable Dom, je vous ai à peu près tout dit. La date de sortie, après-demain, le 14 avril. Pas de prix encore annoncé pour l'instant. Et je ne l'ai pas trouvé ailleurs que sur Steam. Mais je me trompe peut-être. Ouais, non, en fait, j'ai zéro info. Ah, si! Alors ça... Ah! Vous voyez, regardez à quel point... Mettre à jour une démo peut quand même changer carrément la donne parce que le jeu est marqué sur leur page comme étant traduit dans 8 langues, dont le français. Donc ça veut dire que la démo a carrément été mise au banc de touche et oubliée. Donc c'est-à-dire que voilà, c'est démerdez-vous avec ça. Parce que moi, personnellement, si j'avais pas fait cette démarche-là, je me serais dit « Ah putain, encore un jeu en anglais, c'est con quand même pour avoir autant de textes. » Bah, du coup, les personnes qui parlent pas français, bah, ils l'ont dans le cul pour la démo. C'est con, ils auraient pu quand même, vu que le jeu va sortir. C'est une simple mage. Enfin, je sais pas, je suis pas développeur de jeu, mais j'imagine très facilement que ce genre de mise à jour peut être facilement faite, quoi. C'est-à-dire que là, s'ils disent que le jeu sera traduit en 8 langues le jour de sa sortie, soit dans 2 jours, ils peuvent quand même changer 2-3 logs, 2-3 petits trucs sur leur démo pour au moins ajouter les traductions des langues qu'ils vont présenter dans la démo. Je trouve ça dommage. Donc j'imagine du coup qu'il doit y avoir plein d'autres choses et plein d'autres éléments qui auraient pu être changés et améliorés, ne serait-ce que pour la démo, en gardant la limitation qu'ils veulent faire pour
ne pas donner accès à tout, et, enfin, à tout au niveau du jeu. Donc voilà, je trouve ça dommage. Et autre petit point négatif, j'ai que des points négatifs. Autre petit point négatif que j'aurais pu aussi vous donner, c'est que bah, pour l'instant, on peut pas sauvegarder pendant la démo, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a que ce genre de jeu? Enfin, ce type de jeu. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il y a le créatif. Mais quelle est la différence entre créatif et standard? Ah, tout est débloqué et gratuit. Ouais, mais quel est l'intérêt d'un jeu créatif dans un City Builder? Dans un jeu de construction, je veux bien, mais dans un City Builder, à quoi ça sert, un jeu créatif? Donc voilà, si j'aurais bien aimé avoir d'autres types de jeux, d'autres modes de jeu, tout simplement, pour pouvoir me donner un petit peu plus envie. Ah putain, et ce oiseau.mp3 dans l'oreille gauche est insupportable. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai tout dit. Toi YouTube, dis-moi ce que t'en as pensé, évidemment dans les commentaires, n'hésite pas. Si tu as aimé cette découverte, comme d'habitude, n'hésite pas à partager la vidéo, à mettre un commentaire, à mettre un pouce, je te fais pas de bisous, je te dis à la prochaine. Ciao.